Un madapocca picchita va bene, si tu la parla mi è americano. En fait, ce que je veux dire juste par là, c'est que moi, j'ai pu me rendre compte qu'aujourd'hui, à côté des grands groupes, hein, qui ont des organisations très verticales, très hiérarchiques, eh ben, il y avait des gens comme nous, des start-up, hein, qui avions plutôt des visions plus horizontales, des réseaux de maillage de partenaires, voire même d'employés, hein, qui nous rendaient beaucoup plus agiles, hein, beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobile. Et que c'est grâce à cela que des start-up comme nous réussissent là où des grandes entreprises n'auraient même pas dû nous laisser mettre un pied s'ils avaient été plus réactifs, s'ils n'avaient pas eu ces organisations très, très verticales. Donc voilà ce que je voulais dire juste par cette opposition de mots. Je dis simplement que oui, c'est souvent rassurant les organisations verticales avec... un truc bien pyramidal, avec des chefs de service, des sous-chefs, des machins, etc. Mais je dirais que les grands groupes, parfois, ont tendance, effectivement, à traîner un peu des pieds. Et tant mieux pour nous, encore une fois, tant mieux pour vous, parce que ce sont plein d'opportunités.